solitaire, au fond de la mer, englouti loin de toute vanité humaine, et délogué des vivants qui l'avaient dessiné, il repose sans vie. Des chambres d'acier, hier aux fourneaux de ses feux infernaux, étirent des courants glacés, et roulent au rythme des orgues de la marée. Sur les miroirs destinés à réfléchir les nantis, rompent le verre des océans, grotesques, gluants, idiots, indifférents. Des bijoux conçus de la joie pour séduire les sangs des jouisseurs gisent assombris, tous les feux tenus et noircis et morts. De pâles poissons, de leur globe lunaire tout près, observe l'appareillage doré et interroge « Que fait ici cette suprême vanité ?» Eh bien, pendant que se fabriquait cette créature aux ailes tranchantes, la volonté immanente, qui tout anime et accélère, préparait un sinistre mariage lui destinant, lui si noblement gai, une forme de glace, alors encore étrangère éloignée. Et comme grandissait l'élégant navire, et sa forme, sa grâce et sa renommée, dans un sombre lointain glacé grandissait l'iceberg aussi. Étrangers semblent-ils être. L'œil d'un camp mortel ne pouvait entrevoir l'intime union de leur future destinée, ni le moindre signe qu'ils étaient conduits vers des chemins croissants pour être bientôt les parties jumelles de nos augustes événements. Alors, la fileuse des ans dit « Maintenant !» Et chacun entendit, et tout fut consommé, et grincèrent les deux hémisphères.